Bana Congo, ba diaspora partout dans le monde, encore une fois, tu peux subir nos beautés. Tu as dit que 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 c'est pourquoi moi tu bois Kambela. Tu as dit que tu as dit que studio as encore en chantier. Donc, ce qui m'ont tenu sur Oyo, à Rosalana, la bonne volonté, parce que ma cambozo zanga moi ébélé. Alors, toi, on a besoin de bino, numéro de biso yango wana, et ça affiché. Toi, on a besoin de bino. Anytime, soko bengi biso, to koye bisayo, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, on a besoin vraiment, moutou, à participer dans ce studio, to lobe la vie. Voilà. Toi, c'est comme moutou mbongo te, toi, c'est comme moutou nite, mais toi, on a besoin d'un studio, pona. Qu'on partage mon information pour la pour notre sur la rabouille parce que c'est important. Toyebi la biso que Toyebi tant aux autres bas moi mon réseau exotique à moi retard mouké et ça parce que ma camionnette son nanou est coquité alors tu croiser le bras te tu vas te vendre trop. Il est temps vraiment, il est temps maintenant tout le bel la vie tout compte en action et on besoin à tout ça la bouille mais malembe. Tozo Tonga, Bobando doit vraiment l'émission à Bino en temps réel et puis en bonne et due forme. Parce que tout le monde vraiment que Bana Congo tout va se retrouver. Parce que vous avez la chaîne Moko et la référence. Vous avez Awa, vous avez la raté. Vous avez Awa, ce qui est Zaboui, Tokolobaboui. Ce qui est Zaboui, Tokolobaboui. Voilà. Information quoi l'émission de sous l'élo? Information Zanini. Je crois que l'élo est Zali. Samedi, Oyo ya Masolo. Masolo Nyoso et Bandaki Lelo. Le toi, samedi le 28 juillet 2018. Lui s'appelle Seth Kikuni. De Bosomo Nawana. Seth Kikuni, c'est la première personne à déposer sa candidature. Il a que 36 ans, Moutobozomono. Donc, Seth Kikuni a déposé ce samedi 28 juillet 2018 sa candidature pour l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Il est premier candidat à parvenir ses dossiers au bureau de la commission électorale indépendante. CENI. Donc, il a eu le courage, Moutobozomono, moi, ces messieurs. A eu courage. Il n'y a aucun autre type de candidature. Naïe. Azamouanamboka. Seth Kikuni, Azamouanamboka. A qui a déposé candidature. Naïe. Il a 36 ans. Aza entrepreneur. Aza docteur en sciences politiques. Alinga signé magistrature suprême. Pourquoi pas? Chancelor Opamba, Seth Kikuni, Yewano. Abimisi 100 000 dollars. Parce que vous savez, avant de postuler, na poste Yewana, y a présidence Yewana, il faut 100 balles. Alors, il a osé. Si quoi, ça reste à vérifier. Parce que ma camo, faut que nous pena, faut que nous n'en ayons pena ya, bah on dégueulasse, lisse du colo à lisse. Ça dit il faut pena, faut que nous pena n'en ayons pas tala. Bien, bien, bien. Cette kikuni a vu mon wapi, pona, asala ma camo nyostu. Alors bis c'est la décision la plus importante de ma vie. Et cette décision, Oyo, est plus important pour la vie naïe. A décider en Okala, à Kana en Okala. Et tant qu'une personne, et tant qu'un citoyen, Yamboka. Ah oui, nous ne voulons pas rester à l'écart. Cette fois-ci, c'est nous.
Et puis elle dit, nous ne voulons pas mordre dans l'obscurité. C'est pendant 5 ans que lui, il préparait pour les loyaux. Bon, on a 7 kikouni. Au bout de mon awana, a qui a déposé candidature dans la magistrature suprême. 7 kikouni. Alors, maintenant, ça reste à vérifier parce que Makamboyo, et ça, c'est Makambo. Tu as dit que tu as Tu as dit que tu as dit que Alors, depuis 2016, nous avons dit que nous voulons la rupture, nous voulons le renouvellement de la classe politique. Et le réjouissement. Cette Kikuni a signé Yoma. Si vous avez dit que vous avez dit que vous cette qui couni n'a ni pas rose à la simanaye. Posa moutouna. Ya moutouna. Tosa va yuma soute. Tosa va yuma yuma. Et c'est si la qui déjà. Ya va yuma toujours les gars à chaque fois. Boy, parce que ma yuma et c'est si la qui déjà. Déjà kala. Et c'est si la qui. Donc. Ba congolais ba namboka. Bomoni ndeko oyo bomoni. Lui s'appelle Cette qui couni. A qui a signé, qui a déposé candidature dans la magistrature suprême. A qui a comme président de la République. Place à l'outil et l'humanité. Voilà. Tu as dit que tu as bien concernant moi, je suis dit que c'est ce qui est à côté esprit, à l'obino. A banda de préparation déjà banda kala. Alors, tu as vraiment tu as tout y est plus sur cette qui connaît. Moïse Katumbi Tchapwe. Noko le minito yo. Esprit yako sakanate. Noko esprit. Annonce son retour avant le 8 août. Et met en garde Kabila. Quand ça Moïse Katumbi na le barate. Moïse Katumbi de Koba. Moïse Katumbi na minito yo, esprit ya ko sakanate. Tala niveau, mais en garde Kabila. Moïse Katumbi, Tchapwe. Alobi avant le 8, avant le 8 oyo kaka, outo tozo kota. Avant, Azana Kinshasa, il faut akita. Abi, il faut akita. Moïse Katumbi Tchapwe. Devant la presse à Bruxelles, Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi et l'avocat Éric Dupont, ou un avocat, Éric Dupont Moretti, qui représentait l'ancien gouverneur du Katanga, qui est Moïse Katumbi, ont annoncé que le président de la coalition Ensemble allait regagner le pays avant le 8, malgré les menaces d'arrestation. Malgré les menaces de voilà que tu vois que ça en haut. Mais Moïse Katumbi, alobi Azako Zonga. Moïse Katumbi, alobi Azako Zonga. Avant le 8 août, alobi Nazan à Kinshasa a signé Yuma. Alobi Seguan et Zéba, alobi Makamou a donné bête bombe. Donc, bêta boma. Voilà qui m'a dit. Dans les tout prochains jours, Moïse Katumbi va rentrer en RDC pour le dépôt de sa candidature à Zozong. Il
Alobi Aza Kozonga. Et Moïse Katumbi met en garde Joseph Kabila. Non, là, c'est malin. Moïse Katumbi, là, c'est malin. Alors, Olivier Kamita Talobi, rien n'empêche le dépôt de la candidature de Moïse Katumbi. Je vous assure que Moïse Katumbi déposera sa candidature dans le délai fixé. Et avocat Nayel Soussou, M. Ri Dupont Moretti, Yepé Alobi Lissoussou, a vu les accusations de Kinshasa contre son client, met en garde contre toute arrestation. Ah, au Tchédibaya, ma Tchédibaya. Alobi, ba accusation tout, on les a contre client Nayel Moïse Katumbi. Alors, yé, il met en garde contre toute arrestation à son arrestation na retour à Moïse Katumbi au pays. Alors, Moïse Katumbi va kangié na ko kita Moïse Katumbi va kita Kinshasa. Ba considérant comme arrestation arbitraire. Makambo ezali. Alors Moïse Katumbi la minute soyo, hey maman information comme lengi. Tala niveau. Moïse Katumbi obi aza ko kita. Di kole ko ko ya te na ozala wana. Ka Moïse Katumbi. Abi by force. I'm coming back. I'm coming very soon. Abi ozala wana. Abi di kole ko ya te. Et puis avocat na lobi soki bo kangiye boye bake, c'est une arrestation arbitraire. Je ne boke na bake la samilai milai boye bi. Bisoto lobani. Bisoto kabaran tsango. Kaban tsango. Moïse Katumbi de retour. Annonce son retour avant le 8. Abi avec colère azokita. Nous la wa nogo. Bon, c'est là. Biso toza wana kaka soki likambo salami. To lobeli yanguti. Bon, biso est-ce que biso en problème. Ce sont likambo za to lobeli yango. La candidature de Monseigneur Monsengo à la présidence vers une confrontation entre le CLC et les initiateurs de la pétition. N'habitez sur bateau pour balouga souni, pardon. Magambo n'a pas le bel on a pensé. Parce que Balobi, la pétition sur la candidature du cardinal Laurent Monsengo, c'est une véritable distraction. Quelle distraction? C'est une distraction de démolisation de la population pour les actions prévues au mois d'août. Maman, on a le bélan, on a le parce que. On a le bélan, on a le et total, on a au moins bien parce que. Quand on a 4 jours, on dirait, moi j'ai moins de salam. Laurent Monsengo, madame, a beaucoup pembe. Non, moi, il est bien monté. Laurent Monsengo, la minute, c'est lui. Non, moi, il est bien monté. Quand maman, on a bien, on a le bélan, on a tout parce que. Non, moi, on a net, on a net, moi, on a net, moi, genre. Promulgation de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus et avantages réservés au corps constitué. Joseph Kabila a signé l'Isolongo. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a promulgué la loi. La loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République. Bozo banga nini. Boza ko banga nini. Batusu Balobi, c'est une loi qui restera toujours inopérante vu que la constitution n'est... Donc, examen en trop. C'est vrai. Au bout du soba zaraka...
Voilà. Information voilà bandeko ngai tolobaki soki likambo ezali vraiment tokuya et pas na bino poto meka kosolola. Martin Fayulu, le candidat pour bâtir un Congo libre et prospère. Voilà Martin Fayulu. La dynamique de l'opposition a investi vendredi, lobby, Martin Fayulu, candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. C'est le Jean-Félix Senga, secrétaire exécutif de cette plateforme. Bah, expérience sur Martin Fayulu Zanango. Avec son courage, avec sa constance et son engagement, il peut faire quelque chose. Namboka, Martin Fayulu. Makambosa moi ebele bande kolangai tolobaki il faut vraiment tobeta moi ma solo oyo. Na solo ka vidéo moko awa je crois na kotela bino vidéo yango. Vidéo yango dame soko pesa dusu kanda. Yoko pesa dusu kanda parce que esa vidéo moko e pesi moi bien te. Moutou a comprendre na été peuple congolais zo comprendre ba lota boketchu peuple ya ndenge nini peuple congolais zo comprendre na été moi pela moutou a telemi tata mukolo avandi pour la ya lobi Joseph Kabila nde na système ya Wumelado tata mukolo avandi mbito lobi la vite za après va la pluie. Ce qui voulait me rubima, tout ce qui est la bino quand même boyoka. Bon, on a le loco. Comme ça, tout ce tout juste après. Tomé Kosolo. À la majorité présidentielle, la réplique n'a pas tardé. Joseph Kabila est et reste le candidat potentiel au prochain scrutin. Telle est la déclaration de Douni Akilanga, cadre du PPRD, au micro de Justine Luanga. Suivez. Joseph Kabila sera candidat de décembre 2018. Pourquoi? En 2006, il y a eu élection avec deux tours. En 2011, élection à un seul tour. Nous, respectueux de la Constitution, c'est la Constitution qui avait changé les deux à un tour. Ok? Donc, pour nous, Kabila sera candidat parce que le premier mandat, c'était pour deux tours, c'est la Constitution. Mais le second élection de 2011, c'était pour un tour. Donc, que les Congolais attendent au mois de juillet, le PPRD, notre parti, nous irons en bonne et due forme déposer la candidature du secrétaire du président de la République, Joseph Kabila. La passion du Congo. Il ne veut pas laisser quitter le pays, mais la Constitution lui donne juste celle de deux mandats. Non, mais pourquoi vous compliquez les choses? Vous interprétez la Constitution de votre façon ou comment? Ceux qui veulent discuter à cette question, qu'ils aillent demander l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Ah, c'est pourquoi on a changé, hein, c'est dans notre temps pour mettre nous qui vont interpréter nous la candidature de président Kabila. Déposer la candidature de Joseph Kabila. Un point par. Donc, c'est la même constitution qui avait reconnu les élections de deux tours et c'est la même constitution qui a été changée pour un seul tour. Donc, rien à faire. Moi, je parle en tant que responsable de la mobilisation propagande. Je ne vois pas en quoi vous allez demander à Kabila de ne pas postuler. Il sera candidat. Je confirme qu'il sera candidat. Mais lui-même, il n'a pas dit ça. Il a dit juste va respecter la Constitution. Le respect de la Constitution. C'est-à-dire, il va encore postuler. Il ne vous dira pas ça. C'est nous qui allons vous dire ça. Où est-ce qu'il nous a quitté? Où est-ce qu'il nous a quitté? Il y a un tatouage à lobby. Où est-ce qu'il nous a quitté?
Par exemple, où est-ce qu'il nous quitte? Mambo, tato à Zoloba, vraiment. Où est-ce qu'il nous quitte? Tato à lobby que Joseph Kabila n'est président. Où est-ce qu'il nous quitte? Voilà. Bande Konangaï, ma solo, yango, wana, tu l'as gibino lelo. Encore une fois, merci. Merci, Penza. Nabino nyo so yo, bo vandi. O bo talibiso. Tokomi na souka, pona lelo. Makamba Congo, il faut e préoccuper biso. Zwa souci à Congo. Ska bato ba finga la bango. C'est pas la peine. Yo finga moutou, pendant que mboka nous okende. Tout le solution. Tout le solution. Voilà. Ce bolingo zali, je crois que tu es longa. Et puis, nga la zala kondi, ma ke tu es longa la biso. Tu es longa. Bitu mangwa nan mouke. Tu es longa. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés. Na tolo be la vie. Restez connectés. Soli kambo zali, tu koya encore verbino. Parce que ma kambo sa la zali. Merci, Bandeko Nangaï.